Quand j'étais petit, je rêvais de devenir basketteur. Je voulais dribbler comme Michael Jordan, faire des dunks comme Shaquille O'Neal, shooter à trois points comme Larry Bird, mais rêver des États-Unis sur un terrain boueux, à Kumasi-Sikoji, les quais au pied avec un petit ballon dégonflé qui vient de chez Adjoke, la tantière Nongo du quartier. Vraiment, c'est compliqué. Mon ami du midi, lui, est allé plus loin, jusqu'en équipe nationale de basketball. Il va m'expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'il a fait. Tout aussi compliqué que ma carrière de basketteur, la situation des artistes n'est vraiment pas reluisante actuellement. Les artistes en tout genre, mais encore plus les plasticiens. Déjà qu'en temps normal, leurs frères ivoiriens ne s'intéressent pas beaucoup à leur travail avec la Covid-19, c'est pire. Les visiteurs sont très rares dans les galeries et les touristes ne viennent plus. Vivement la fin donc de cette histoire de Covid-19. Tout le monde est fatigué. On est fatigué d'être malmené par ce satané virus. En attendant la fin de cette vilaine crise sanitaire, je vois qu'il est déjà midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et comme vous le savez, maintenant, sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! Yep! Est-ce qu'il y a des gens dans ce studio? Wouh! Wouh! Willy, 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 Willy. Et, ok, d'accord, seul au monde. Alors, franchement, vous êtes ici vous êtes des privilégiés, quoi. Parce que, avec cette situation de Covid, là, les gens se posent la question de savoir, mais est-ce qu'on a la possibilité d'aller dans le studio, de venir dans le studio? Oui, vous avez la possibilité, même chez vous à la maison. Mais ici, n'ayez crainte, ce sont des esprits qui applaudissent. Esprit! Ouais. Esprit aussi, ils se sont entraînés pour applaudir. Esprit! Ouais. Ah voilà, il y a un cancre là-bas qui a attendu après. Il a tout gâté. Alors, elle m'avait trop manqué. Je me sentais seul sans elle sur ce plateau. Leurs scintillements, leurs éclats, leur beauté, leur lumière. Ah! Mes jolies pépites. Je suis trop content de vous retrouver. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Tout de suite, les pépites de Willy. On démarre avec le patriote. Alassane Ouattara, notre boussole. Avis à tous les amateurs de randonnée, de balades en forêt, balades en montagne, tous ceux qui aiment se promener, ou même ceux qui participent au Paris-Dakar dans le désert. Boum ! Nous avons trouvé pour vous ici en Côte d'Ivoire la solution pour ne plus jamais vous perdre. Vous prenez une photo, celle de notre président Alassane Ouattara, vous la mettez dans votre poche. Et le tour est joué. Bon, enfin, c'est le journal Le Patriote qui nous dit ça. Notre Prado est une boussole. Donc, ne vous inquiétez plus. Vous pouvez aller où vous voulez, à condition d'avoir la boussole qu'on vient de vous montrer. Ne me remerciez pas. C'est gratuit. J'aime aider les gens. On poursuit avec le temps. Jean-Louis Billon sur RFI. Nous allons tourner la page RHDP. Tonton Billon, merci pour l'information. Déjà, le RHDP était un livre. Attends, moi qui pensais que c'était un parti politique. Alors, Tonton Billon, il dit qu'il va tourner la page RHDP. Voilà, c'est que c'est un roman, forcément. Ou bien un cahier, ou bien peut-être un carnet, ou peut-être une encyclopédie, ou un registre, ou un bloc-notes, ou une bande dessinée, ou un magazine, ou un journal, ou une revue. En tout cas, Jean-Louis Billon dit qu'il va tourner la page RHDP. Nous tous, on a bien compris. Ou bien, on a bien compris, non? Bon, là, apparemment, ils ne sont pas serrés. Je ne sais pas, ils ont peur de quoi. Bon. Anyway, bref, c'était la pépite du jour dans toute leur splendeur. On continue avec l'infobuzz. Laetitia Ki collabore avec Marc Jacobs, la jeune ivoirienne, artiste ivoirienne, si vous voulez, Laetitia Ki, connue pour ses magnifiques sculptures capillaires. Bon, moi, je ne peux pas en avoir. Elle vient encore de marquer un gros coup. Alors là, franchement, pour un coup, c'en est un gros comme ça. Le célèbre créateur américain Marc Jacobs a posté sur sa page Twitter des photos de notre sœur Laetitia Ki avec ses dernières créations. Des photos qui ont été fièrement repostées sur la page Facebook de la jeune artiste qui a annoncé sa collaboration avec le designer américain. Laetitia Ki, c'est une fille bien. Elle doit être un modèle pour les jeunes filles de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous les filles là, toujours vous nous fatiguez pour vous acheter les mèches. Ça dit, vous ne nous laissez même pas respirer un peu à cause de mèches humaines. En tout cas, moi aujourd'hui,
Voilà. J'ai décidé d'envoyer 100 000 francs. Tu vas acheter mèche humaine pour mettre sur ta tête. Et puis, quand je te donne là, nous devons se regarder dans la maison, on va voir maintenant qui va payer le loyer. Aïe! Même si je suis à Live TV, c'est vrai que je gagne bien ma vie. Mais attends. Ailleurs là, il y a trop de choses à faire. À cause de quoi? 100 000 francs pour payer mèche. Aïe, ma chérie. Nous donnons aura même coiffure. C'est pas mieux? Nous ne pouvons même pas faire comme Laetitia qui. Elle, au moins, elle utilise les mèches pour faire quelque chose d'intelligent. Voilà ça, aujourd'hui, elle s'est collaboré avec Marc Jacobs. C'est pas Jacobs Cross, c'est Marc Jacobs. Ça, on appelle quelqu'un qui réfléchit. En tout cas, vraiment, bravo Laetitia. Si, franchement, je n'étais pas chauve, tu allais faire une jolie coiffure sur ma tête aussi. Bon, bonne continuation, ma petite sœur. Allez, on poursuit avec Olo Kpacha, qui boycotte les t-shirts en un d'Arafat. Arafat même, il est comment même. Quand il était vivant, à cause de buzz, on ne pouvait pas respirer dans sa main. Vraiment, c'était compliqué. Maintenant, là, il est mort encore. Son nom est toujours dans nos buzz. Ah, Yorobo, commandant Zabra, Sao Tao le dictateur, 3500 volts, 5500 volts, 8500 volts, 12500 volts d'animation, le Zeus d'Afrique, Koroé Koroé, le deux fois Koraman, le Tai Chi Khan. Vraiment, il n'y a pas l'homme pour toi. Olo Kpacha, mon ami vendeur de poissons, est fâché. Il dit que les gens veulent se faire de l'argent sur le dos de son ami qui n'est plus de ce monde. L'argent de t-shirt vendu de DJ Arafat, là, ça va où? Vous reversez combien de francs à la famille? La Chine, si vraiment vous êtes des Chinois, pensez à votre artiste. Affaire de t-shirt, là, ne payez plus. C'est ce que Olo Kpacha a déclaré. Donc, selon ses dires, Universal Music Africa, le label de DJ Arafat, n'a donné ni l'autorisation, ni les stickers pour vendre les t-shirts à l'effigie de l'artiste, de Arafat. L'argent donc de leur vente irait donc directement dans les poches de personnes mal intentionnées. Ah ! La mort, c'est pas bon, hein ? DJ Arafat, c'est lui, vous faites son affaire comme ça, là. Et puis, il ne peut même pas parler, c'est ça qui me fait mal. Même, je regarde et puis mon cœur me brûle comme ça. S'il était vivant, destruction ! S'il était vivant, destruction ! Que Dieu ait pitié de ton âme, frère. Allez, c'est tout pour l'infobuzz de ce jour. On va faire un petit tour dans les rues d'Abidjan. Mes amis, je vous pose une question dans ce studio ici déjà. Qui parmi vous a un tableau ou une sculpture d'un artiste ivoirien chez lui? Qui? Personne? Ah, ok. Alors, bon, pour ceux qui n'ont rien dit, je sais que ce sont de gros menteurs, voilà, mais dites la vérité. Voilà, c'est pas bien, dites la vérité s'il vous plaît. Ce sont nos frères, il faut les soutenir. Nos artistes ont besoin de soutien, surtout avec cette crise de la Covid-19. Apoutchou, sans filtre, est allé, pour une fois, rencontrer des artistes et non pas des faiseurs de bouffe. Les plasticiens et le coronavirus, c'est tout de suite dans le 12 heures chrono sur les traces du buzz. Ce matin-là, Olivier Pépé, promoteur d'art, visite Jean-Patrice, l'artiste peintre. Les deux hommes discutent d'art plastique et de nouvelles idées pour l'essor du secteur actuellement touché par la pandémie du coronavirus. Chaque année, Olivier organise des expositions et vernissages pour mettre en avant les créations des artistes d'ici. Mais le coronavirus freine tout. Avant, tous les mois, on pouvait avoir un vernissage ou un artiste qui exposait. Mais depuis 5 mois, on n'a personne, voilà, on ne le fait plus. On essaie d'utiliser d'autres canaux pour pouvoir présenter les œuvres, mais après, ce n'est pas forcément efficace. Quand je fais une exposition, c'est 200-300 personnes qui y arrivent, voilà, c'est les toiles qui sortent, mais si je dois passer par le digital, c'est 1-2 clients qu'il faut contacter, il faut trouver le mécanisme pour aller le voir, voilà, donc vous voyez que forcément, ça va impacter sur l'activité, donc l'activité au ralenti. Depuis plusieurs semaines, Jean-Patrice ne travaille pas. Son activité de peintre est partiellement à l'arrêt. Ou pendant le confinement, bon, tout est un peu à plat. Là. Donc, on travaille peut-être pour se motiver. Et moi, j'avais par exemple des expositions en vue, par exemple en France, c'était le mois de septembre. Mais là, tout est tombé à l'eau. On a projeté ça pour 2021. Le lendemain matin, nous sommes au centre artisanal de la ville d'Abidjan. Bondé habituellement de touristes, aujourd'hui, le centre semble ne plus vivre. Les allées presque vides, les artisans paraissent. Les 138 boutiques du Cava connaissent un gros rabais de leur chiffre d'affaires. Avant le Covid, peut-être dans la journée, nous pouvons recevoir 30 à 40 visiteurs. Et nos clients, c'est les expatriés, c'est-à-dire les Blancs, les Européens. Si bon, à la descente, il peut descendre à 50 000,
20 000, 10 000. Bon, ça dépend. Moi, je me fais à peu près 2 mois, 3 mois. Je n'ai même pas encore eu 20 000. Cette situation précaire emmène certains artisans à se reconvertir dans d'autres secteurs d'activité. Bon, actuellement, que les gens ne vont pas trop. Moi, par exemple, je vends de la teke, de l'huile rouge. Je prends de la teke pour venir livrer à mes collègues ici. Je vends de l'huile rouge. Je fais d'autres choses à la maison aussi. Le même constat de léthargie est aussi observé chez les sculpteurs de Cocody Blocos. Ici, les sculpteurs viennent tout faire bonne impression, pas parce qu'ils ont du boulot. Cette épidémie, c'est pour nous, c'est une catastrophe. Sur le site ici, d'ailleurs, c'est tout le temps animé. Si vous arrivez ici, vous allez voir des débats à gauche, à droite, les gens travaillent, les bruits de machines, etc. Aujourd'hui, vous arrivez, il y a certains même qui dorment, il y en a qui sont partis, parce que ça ne marche même pas. Pour le responsable du centre, cette crise causera peut-être leur disparition. Il appelle à l'aide. Mais aujourd'hui, le Covid-19 a eu un impact sur notre activité. Nous demandons au gouvernement, aux gens de bonne volonté, de nous venir en aide. Rares sont les maisons en Côte d'Ivoire où on retrouve les créations des artistes locaux. Ces créations sont plus adulées par les expatriés et les touristes. Leur absence en raison de la crise liée au coronavirus tue l'industrie de l'art. Voilà, merci infiniment très cher Fabrice Indé, Apoutchou National Sans Filtre, et puis bien sûr notre ami et frère, Hué Gauthier. Alors, j'en appelle à votre civisme. Après ce reportage-là, je pense que tout le monde doit courir, hein, quelle que soit la bourse, se procurer au moins une œuvre de ces artisans-là. Voilà, c'est un élan de solidarité. La Covid, on en souffre tous et eux aussi sont hyper touchés. Voilà, moi j'ai décidé d'en prendre un aujourd'hui. Et puis, voilà quoi, j'espère que vous allez faire ça. Donc, on fera tous l'Art Challenge, voilà, Diez Art Challenge. Vous postez la photo que vous avez, voilà, de votre tableau à la maison. Qui sait, c'est pas mal. On pourra vous en offrir un autre encore. Taekwondo, football, basketball, notre ami du midi est un sportif dans l'âme. À force de travail, il a réussi à être le seul joueur local à participer au dernier mondial de basket. Je reçois aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, mon ami Abraham Sié. Abraham, ça va? Yeah. Abraham, assieds-toi. Voilà. Joli garçon sans produit gagné. Je pensais qu'il y avait uniquement que dans le football qu'il y avait de beaux mecs, mais dans le basket aussi, franchement, ouais, quand même. Ouais, ça me fait bizarre vrai. Comme ça, un garçon qui dit... Bon. Anyway, comment tu vas, Abraham? Je vais bien, toi? Ouais, super, ça va. Hey, ça dit, les sportifs, ils ont une manière de parler. Je vais bien, et toi? Ouais, ça va. Nickel, hein? Alors, tu as un parcours assez atypique. Mm-hmm. Taekwondo, football. Je ne sais pas s'il y a eu un peu de baseball dedans. I don't know. Si, oui. Non. D'accord. Un peu de course, soleil mollet au quartier, non? Ouais, quand même. Étant enfant, tout ça. Étant enfant, ouais, ça arrivait. D'accord. Et après, basketball. Tu recherchais ta voix, c'est quoi? Bah, après, depuis petit, j'aimais le sport, tu vois. Et je savais vraiment pas que j'allais terminer au basket. D'accord. Après, c'était le foot au quartier avec des amis, tout ça, on courait de partout. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai voulu faire du taekwondo. Ok. Et après, j'ai été galvanisé par certains maîtres. Le taekwondo, tu étais bon oui, aussi, oui, tu oui, étais, oui. Je crois champion de Côte d'Ivoire deux ou trois fois après. Trois fois. Ah. Oui, après, j'ai été en équipe nationale, tout ça. Mais ça n'a pas marché, mm-hmm. Il y a eu trop de trucs. Donc, j'ai décidé tout de suite de me mettre au basket. Après, je ne voulais pas faire de ça un métier. Ouais. Après, c'était juste, j'aimais et tout. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai 16 ans là. 16 ans, j'ai été en présélection équipe nationale, j'ai pas été retenu. D'accord. Après, en tant qu'homme, il y a des pics, il y a un challenge à relever. Donc là, je me dis, bon, faudrait que je taffe après pour être en équipe nationale, tout ça, parce que la base d'un joueur, c'est l'équipe nationale. Après, défendre son pays, c'est une fierté. Après, en 2016, je n'ai pas été retenu. Je reviens en 2018, l'équipe nationale junior. Ouh là là, je suis retenu, je vais pour la Coupe d'Afrique au Rwanda. Mmh. On termine 8e. Et après, je ne m'arrête pas là, je continue en entraînement jusqu'à ce que je sois surclassé. Ouais. En équipe nationale, je retrouve mes idoles telles que Solo Diabaté, Eddie Guilandré et tout. Voilà, on se met à travailler du jour et nuit, tous les jours, jusqu'à ce qu'on arrive au Mondial. Au Mondial, c'est cela. Ouais. On va y arriver tout à l'heure, en tout cas dans le Mondial, mais dans ta présentation, au fait, moi j'ai vu que tu as reçu le titre de GOAT
Goat, je ne maîtrise pas trop bien anglais, mais c'est greatest. Je parle avec l'accent sud-africain. Greatest all of time, c'est-à-dire le plus grand de tous les temps du basketball ivoirien. Il y a eu des Blaise Amalambien, c'est ça, non? Blaise. Bon, il y en a eu d'autres encore, mais si jeune, et tu deviens le Goat. Bon, je salue Amalambien Blaise au passage, parce que déjà, c'est de par sa faute, c'est lui qui m'a suivi jusqu'à maintenant, qui m'a mis sur le chemin. Mmh. Je pense que ça étonne plusieurs personnes, parce que déjà étant jeune, je vais au Mondial, des Coupes d'Afrique, tout ça, ça étonne plusieurs personnes, parce que je ne sais pas si la Côte d'Ivoire en a connu des jeunes comme moi, sinon on a des jeunes talentueux, je dirais même plus talentueux que moi. Ouais. Mais après, il y a la différence, il y a le travail qui fait la différence. Je pense que déjà étant jeune, là, j'ai eu un mental assez fort de vouloir être meilleur déjà, peu importe l'âge, peu importe le milieu, que ce soit avec les jeunes, les plus jeunes, les anciens, les plus âgés, tout ça. J'ai voulu dominer de partout. Je ne regardais pas l'âge parce que je me disais, après, c'est le travail qu'on regarde. Il n'y a pas l'âge dans le travail. Soit c'est bien fait ou soit c'est mal fait. D'accord. Donc, soit tu fais bien. Je n'ai pas été influencé aussi par les plus âgés, tout ça. Bien vrai qu'après, il y a le stress parce que tu viens de te trouver dans un environnement où il y a des plus âgés. Tu te dis, est-ce que là, il y aura ma place, tout ça. C'est un peu difficile. Mais après, moi, je n'ai pas regardé tout ça. Je me suis mis au travail et j'essaie d'aller un peu plus fort. Raison pour laquelle j'ai parlé de mental un peu plus tôt. D'accord, mais le GOAT, au fait, qui quitte l'a attribué au fait le titre de GOAT? Blaise, Amalambien? Non, ou... pas lui. D'accord. Pas Amalambien. Après, c'est avec le temps, les jeunes, les plus jeunes, ceux qui me suivent là, les plus jeunes, après, ceux de ma catégorie, et après, les plus âgés, je dirais, les plus âgés, oui. Ça, au fait, au quartier, chez nous, on dit quand c'est comme ça, Joe, tu es trop d'aéré, il a tué. Ça marche, ok, ouais. Tu es dans le bon sens. Beaucoup de gens pensaient que c'était un peu prétentieux, tout ça, mais bon, je pense qu'on a plus ou moins compris, hein, au fait. Merci. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu as des contacts, tu as des rapports avec des grands basketteurs comme Lasme Michel, Jean-Claude Bahini, Hervé Lamizana? Tu as eu vent de ces personnes-là. Est-ce que tu t'es inspiré de ces noms-là ou peut-être toi, tes repères n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire? Si. Après, j'ai pas très vite commencé le basket. Genre 15 ans, je dirais, à 15 ans, je commence le basket. Et ces mentors-là, ils existaient déjà. C'est ça. Et moi, je rencontre Hervé Lamizana, les préparations pour la Coupe du Monde, là. Après, on a eu à se côtoyer un peu, on a échangé. Donc, à vrai dire, je me suis inspiré de lui. Après, les autres, là, je connais seulement Amalambien Blaise, Brou Pascal, au passage. Et après, tous les noms, là, je pense que c'était vraiment des anciens. Là, on n'a pas eu à parler. On les appelait les dinosaures, généralement. Les dinosaures. Après, j'ai le contact des... On parle, ça se donne des conseils. Il me donne des conseils parce que c'est un grand frère, je l'écoute. Il me dit, vas-y, fais ça. Ouais. Je dis, ah, ok. D'accord, ça marche. Alors, moi, je veux savoir aujourd'hui pourquoi tu n'es pas monté sur le parquet lors de la Coupe, de la dernière Coupe du Monde. C'est ça. Et pourtant, tu as été sélectionné. Oui. En fait, et en plus, il faut préciser que tu étais le seul local, si je ne m'abuse, qui était sélectionné pour le Mondial. Le Mondial. Ouais. Bon, après, je n'ai pas d'avis à donner. Je pense que c'est le choix du coach. Après, on ne peut pas reprocher au coach de faire le choix. Je pense que si j'aurais été sur le terrain, le résultat aurait été un peu différent. Voilà. Ouais. Donc, après, c'est le coach. Et en même temps, je pense à comme une bonne graine. Je me dis, je ne suis pas encore arrivé. Il faudrait que je me mette au travail pour aller plus fort, pour que demain, tout le monde me retrouve sur le parquet, tu vois. Donc après, je pense à combien d'encouragement pour que Oui, mais au-delà de l'encouragement, ça, tout le monde le dit. Mais est-ce qu'après, il n'y avait pas une petite frustration? Quand même. C'est un peu comme au quartier. Non, mais pourquoi moi, on me fait banqueter? Pourquoi je... Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est... Est-ce que tu en as parlé avec le coach? Tu en as parlé avec d'autres? Pas du tout. D'accord. Pas avec le coach, mais avec des dévanciers. Et souvent, je me pose des questions. Peut-être, j'ai fait des choses. Après, il faut faire son mea culpa. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Après, je m'enseigne autour des anciens à qu'est-ce que... Sinon, au coach, j'aime pas parler au coach parce que je me dis c'est son choix. Après, il sait qu'Abraham s'il est là. Il sait qu'Abraham c'est sur la liste des 12. Et après, si Abraham s'il participe pas, sûrement c'est qu'il y a vraiment un problème. D'accord. Soit du côté d'Abraham, c'est en tout cas, je me mets la faute en première position et après, j'essaie de voir. D'accord. Bon, il y a d'autres aussi, hein, pendant nos recherches, qui ont révélé qu'ils te trouvaient moyen. Voilà. Et je pense que tout le monde a le droit aussi de dire ce qu'il pense. On a relevé ici quelques stats. 14 points, 3 rebonds, à peine 5 assists avec l'Africa Sport. Pour ces personnes-là, c'était des stats d'un joueur moyen.
Alors, donc pour eux, tu ne devrais même pas être considéré comme la perle rare, pour ne pas dire l'une des perles rares donc du basketball ivoirien. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Je pense que arrivé un moment de la vie, je pense que tout le monde a le droit de donner son avis sur la vie de quelqu'un, pas n'importe qui. Ouais. Parce qu'en ce moment-là, je peux recevoir l'avis de tout un chacun, ivoirien, tout ça. Et je peux dire que les stades d'Africa, j'étais encore plus jeune. D'accord. Quand j'étais à l'Africa. Et après, je pense que je me suis beaucoup amélioré. OK. Quand je suis arrivé dans mon club actuel, à l'ABC. À l'ABC, oui. Oui. Abidjan Basket. Oui, Abidjan Basket Club. Et je me suis beaucoup amélioré. Donc, je pense qu'il y a de l'amélioration. Et après, il y a des bonnes stades qui étaient et tout ça. Je peux dire que chacun a son avis, s'il me trouve un peu moyen. Et après, le coach, il m'a dit, quand on était en Italie, le coach m'a dit, après, tu vois, je te trouve un peu moyen. Donc, avant, je pense que le coach, il n'avait pas confiance. Okay. Parce que genre la forme, tout ça, j'avais des grands frères un peu qui jouaient au même poste que moi, qui étaient un peu bien en forme, tout ça, qui avaient des muscles. Et voilà, il n'avait pas tellement confiance. Et là, je n'en veux pas parce que c'est moi. S'il y avait tout ce qu'il y avait comme muscle, tout ça, c'est sur le terrain. Après, comme je le disais, Toto, c'est à moi que la faute revient. Donc, pour terminer avec le truc de toutes les personnes qui disent que... Qui te trouvent moyen. Qui me trouvent moyen, Abraham, c'est tout ça. Je n'ai rien à ajouter à ça. Je dis juste qu'avec le temps, on verra si les mêmes personnes seront capables de me féliciter ou diront le contraire. Le contraire. D'accord, ça marche. Alors, moi, j'ai une petite question. Franchement, ça me fatigue depuis là. Tu sais, au football, tout le monde sait, il y a des cas, ils coupent, ils mettent machette même et puis ils taillent même le âge. Voilà, on voit que tu as 21 ans sur le papier. Oui. Ça, c'est ce qui est sur le papier basket. Mais est-ce que dans la vraie vie, il y a 21 ans? Oui, okay. Awamsi a ses 21 ans. Donc, tu n'as pas coupé? Non, pas du tout. Bon. Et là, j'ai été encore inspiré de ce même Amala Biambles, que je salue au passage, qui, lui, de base, n'aime pas la tricherie. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'as pas le niveau de ton âge, tu travailles pour avoir le niveau de ton âge. OK. Pas besoin de tricher. Donc, raison pour laquelle je me suis mis à fond, vu que je n'ai pas commencé assez petit le basket, j'ai voulu arriver à l'âge de 15 ans, puisqu'on voit aux États-Unis, on voit des jeunes de 15 ans qui ont le niveau senior ici à Abidjan. Donc, je pense que c'est avec le travail. Ouais. Pas en trichant, diminuant l'âge après. Tu vois, tu diminues ton âge, tout ça. Après, les autres ne vont pas suivre ton âge. Après, il y aura des coups battus, tu vois, suivre des opérations par-ci, par-là. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé donc d'un pays légendaire pour son basketball, les États-Unis, à 21 ans aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'un jour, comment tu travailles pour peut-être un jour évoluer soit en France, ou en Pro A ou peut-être en NBA aux États-Unis? Mais déjà, France Pro A ou NBA direct? NBA, d'accord. Et c'est plus préférable. Je pense que moi, c'est plus préférable de, même si tu veux jouer en France, passer par les États-Unis. Parce que c'est plus facile de trouver un club en France quand tu passes par les États-Unis. Et après, aux États-Unis, il y a la très bonne formation du basket parce que c'est eux qui maintiennent le basket. Et aussi la langue, c'est parler l'anglais, français, c'est beaucoup important pour les sportifs, en tout cas, international. Donc, à vrai dire, le basket aux États-Unis, si je devais choisir. Donc pourquoi ça fait autant rêver c'est-à-dire que le basketball ici en Côte d'Ivoire ne nourrit pas son homme, il ne paye pas ou... Bon, je pense qu'il y a des basketteurs qui gagnent leur vie au Côte d'Ivoire. L'ABC, c'est quand même un grand club, la SEC, l'Africa. Oui, il y a des basketteurs qui gagnent leur vie, mais ce n'est pas tous les basketteurs ivoiriens parce qu'à vrai dire, il faut avoir des sponsors, il faut avoir des moyens, un peu de tout, tu vois. Il faut avoir un bon suivi pour un athlète. Après, il peut avoir des bobos, des petits trucs, il faut le suivre. C'est un peu compliqué. Donc, si tout ça n'est pas... S'il n'y a pas un bon suivi, après la tête, il y a des problèmes de genoux, cheville, tout ça. Et après, il ne peut plus jouer. D'accord. Donc, c'est préférable de partir aux États-Unis et après venir gagner sa vie en France parce que là, tu seras très bien rémunéré. Parce que quand on voit... Côté rémunération, c'est quoi? La balance penche plus pour les States ou les States, la France? Les States, oui. Les States. S'il y a deux joueurs, on doit signer deux joueurs. Il y a un qui vient de la France, un qui vient des États-Unis. On signe tout celui qui vient des États-Unis. Des États-Unis, d'accord. Parce qu'on s'est dit, il y a une bonne formation qui est plus haut. Tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Abraham, tu as des contacts avec des clubs à l'étranger? Oui. D'accord. Oui. On peut en citer quelques-uns où... Hervé Lamizana lui-même, il a des contacts en Chine, deux contacts aux États-Unis, plusieurs contacts en France. Plusieurs contacts en France. C'est-à-dire qu'un jour, on ne te reverrait plus sur les parquets ivoiriens à l'extérieur. Quand même. Bon, on va garder ça secret parce que bon, c'est pas trop. OK. Alors, c'est quoi le problème entre toi et puis le joueur Konaté Stéphane? Aucun. Aucun problème. C'est un coéquipier. D'abord, c'est un coéquipier. Lui, il joue après, déjà
dans le même club que dans moi. Le même club que toi, ouais. C'est ça. À l'Africa. Déjà, c'est un coéquipier. ABC, pardon. Oui, ouais. C'est un coéquipier parce qu'on joue ensemble. Et après, au-delà de ça, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Je l'ai connu avant de me mettre au basket. Mm-hmm. C'est-à-dire que je le côtoyais, on parlait et tout ça. Voilà. J'avais même un calendrier de lui, Coupe d'Afrique des clubs 2013 à Abidjan. D'accord. Où il était. Ça va, on a de très bonnes relations. Après, tu vois, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, les paparazzi et tout ça. Est-ce que le basketball ivoirien se porte bien? Je dirais, il n'est pas bien. Il n'est pas bien pour le moment. Il souffre de quoi alors? Pas de corona, non? Non, pas du tout. En vrai, je pense que je n'ai pas été dans... Puisque j'ai dit, j'ai commencé le basket à 15 ans. D'accord. Donc, des années en arrière, je n'ai pas été dans le basket. Ouais. Oui, 21 ans. Donc, je pense que, d'après ce que j'ai entendu, quand on avait des matchs là, au palais, la salle elle était pleine. Ouais. Des gens qui venaient regarder, tout ça. Il y avait de l'engouement, ça venait, ça aimait le basket. Je ne sais pas si parce que des joueurs de maintenant ne produisent pas du bon basket, c'est toujours une question s'ils ne produisent pas du bon basket ou parce que les matchs ne sont pas médiatisés. Parce d'accord. Que les années en arrière, les matchs étaient médiatisés, ouais. Tout le monde voyait à la télé, tout ça, ça donnait envie de regarder. Mais maintenant, là, on a à peine 150 personnes, 100 personnes. Après, voilà pourquoi je dis le basket ne se porte pas bien. Parce que s'il n'y a pas des gens pour voir, ça ne sert à rien. On reviendra peut-être tout à l'heure hein, d'ici là avec quelques solutions que tu pourrais donc proposer à toutes les instances dirigeantes du basketball ivoirien. Mais pour l'heure, petite annonce insolite, événement à venir, où devons-nous aller? C'est tout de suite dans l'agenda de Willy. On démarre avec la 9e édition de FestiLag. Les réalisateurs ont jusqu'au 30 juillet prochain pour proposer leur film au comité de sélection de l'édition 2020 du Festival international du film des lacs et lagunes, FestiLag. Le festival a été initié par l'actrice ivoirienne Nakissi Savané. Le FestiLag sera donc cette année à sa 9e édition. Notons que cette nouvelle édition du FestiLag est annoncée pour la fin du mois de novembre 2020. Au menu de ce FestiLag 9, prévu à Abidjan et à Grand Bassam et dans plusieurs villes du pays, la relance du concept de réconciliation par le cinéma baptisé Réconciné. Une très bonne nouvelle pour le 7e art en Côte d'Ivoire. Le cinéma, tu aimes? C'est quoi tes genres de films que... Horreur? Film d'horreur, oui. Film d'horreur, oui, j'adore. Ouais, celui qui était le plus difficile à regarder. Un film de dinosaures, là, je sais pas. Jurassic Park. Parce que, non, non, ça, c'était pas un film d'horreur, ça, c'était plutôt un film d'aventure. Parce qu'il y a l'auteur, ça, je m'en rappelle. Moi, c'est ça. Il y a eu un film, ça, un, ça, deux, et puis La Maison près du cimetière. Moi, j'aime bien les films. Pour ceux qui ont du vécu, demandez ce que c'était que La Maison près du cimetière. Ah ouais. Vous avez vu La Maison près du cimetière ici? Ouais. Ah ouais, voilà. Déjà, rien qu'à en parler, ben, je flippe déjà. Heureusement qu'Abraham est avec moi. Sans façon, Chinois à vie, pour l'an 1 du décès de DJ Arafat, le groupe Sans façon, auteur du tube à succès Monzouglou. Isé, isé, yeah, coco, isé, isé. Le titre a fait un gros buzz dernièrement. Et donc, le groupe a décidé de revenir à la charge avec un vibrant hommage à DJ Arafat à travers une chanson baptisée « Chinois à vie ». Le titre, donc, est attendu et on a un extrait ici pour vous. Abandonné au front, en pleine bataille. Génération consciente de Paris. L'armée chinoise a perdu son lit. Président MBC. La mesure coupée de Calais a perdu son lit. Andy Kessier. La Yorogan a perdu son chef. Président Obiang. Rendez-vous donc très vite le 25 juillet prochain sur YouTube pour découvrir l'entièreté, la totalité de ce clip. Chinois à vie. Chinois ou américain? Américain. Américain, okay. D'accord, ça marche. Allez, on termine l'agenda de Willy aujourd'hui avec les acoustiqueurs Bessajai, MPI, ou si vous voulez MPI, Mana Jackson, Cap Sax. Retrouvez tous ces talentueux artistes le 25 juillet prochain à 19h30 dans un concert digital dans les acoustiqueurs Live in the House. Voilà, j'espère que vous allez forcément adorer. Allez, c'est tout en ce qui concerne donc l'agenda de Willy pour ce jour. Est-ce que tu as quelque chose dans ton agenda pour ce week-end-là? Tu iras où sur un parquet, jouer ou à la maison? Non, qu'est-ce que tu fais? Je suis à la plage, tout ça, travailler un peu, courir, faire Tu prends le ballon et tu tapotes dans non, le sable? Non, non, juste du footing, ouais. D'accord, ok. Ça marche, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quand tu vois par exemple l'excellent Cissé Cheikh, toi qui as été 3 fois champion en taekwondo, est-ce qu'il n'y a pas des regrets? Non, je ne dirais pas, il n'y a pas de regrets parce que ce que tu fais, il faut assumer. Si tu as choisi de faire quelque chose, il faut assumer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Yes, sir. On ne sait pas ce qu'il y a au bout. À vrai dire, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, là c'était toi, c'est le champion, tout ça, parce que
je ne le connaissais pas avant, mais je m'entraînais avec maître Tadjo Adata, que je salue au passage. Ouais. C'était lui mon maître. Et j'étais vraiment puissant. Donc je me dis, voilà, le maître est un bon bosseur, voilà ce que ça donne. Donc je ne regrette pas, je ne regrette pas. Pas du tout. D'accord, aucun regret en tout cas. Voilà, peuple de Moïse, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est tout en ce qui concerne l'agenda. On a fermé depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, pour mes rendez-vous, c'est tout de suite. Vous allez voir ce qu'on a choisi. Yep. Alors, on va faire quelque chose d'assez inédit en télé. Voilà, pour mes rendez-vous, aujourd'hui, on va jouer du basket. Tiens, voilà. Alors, je vais te montrer que moi, j'ai fait le basket, j'ai côtoyé un moment à une époque, et après, je n'ai pas voulu parce que bon, la passion du micro a pris le dessus. Okay. Donc, tu viens, tu joues, voilà, un peu solennité. Hein, viens. Moi, je m'éclipse. Voilà, tu joues, voilà, joue. Entraîne-toi, vas-y. Non, Guigbeli, attention. Le son, c'est pour la star, ok? Voilà. Vas-y, entraîne-toi, j'arrive. Ok, vas-y. Tu vois, tu es obligé de te rapprocher pour mettre le panier. Ouais. Non, mais ouais. Ça, c'est léger. Tu c'est léger. Non, faut pas dunker, il faut laisser. Panier, là, j'ai loué ça. Bon, ok, d'accord. Guigbeli, tu peux mettre le son maintenant. Yes, I. Because I'm coming. Est-ce que vous êtes prêts pour là? Ça va? Let's get ready to rumble! Allez, vas-y. Faut rentrer! Really! Et attends, c'est bon, bien ça. Allez! Yad, Joe, Yad, faut arrêter ça, bon, Yad. Yad, c'est comme si j'étais dans le côté. Viens. Et dis attention, ma chérie, mais regarde. Hein. Allez, viens, Abraham Sier, voilà. Rapidement, en une phrase, qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui te suivent et puis aussi pour notre basket? D'accord, déjà, je commence sur le basket ivoirien. Il faudrait que les matchs soient médiatisés, sinon, après, il n'y a pas d'engouement. Okay. On a plusieurs talents qui meurent parce qu'on ne les voit pas. Juste les mêmes visages, les mêmes yeux qui les regardent, après ce n'est pas bon. Donc, il faudrait que les matchs ivoiriens basket soient médiatisés, tout ça. Et après, tous ceux qui me suivent, que ce soit jeune, même promotion que moi, plus âgé que moi, il faudrait qu'on travaille plus. Il faudrait qu'on travaille pour envoyer des gens regarder le basket. Si on ne travaille pas, après, le basket sera mort. Donc, mettons-nous au travail déjà, bossons à fond, parce que le rêve, il est réel. Après, il faut rêver, réaliser le rêve. Si tu ne travailles pas, il n'y aura pas de chance et après, tu ne pourras pas réaliser ton rêve. D'accord. Donc, on travaille toujours. Merci infiniment, Abraham. William, midi pour aujourd'hui, c'est terminé. Rediffusion tout à l'heure à 17h et puis le soir, 23h. Bye. Au revoir. Je suis KO. À demain.